Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de ma partie avec le Bengal sur Europa Universalis. Quatre, bien évidemment. J'ai bugué. Du coup, est-ce que concrètement on a. Ouais. Attendre. Prestige. On va faire cela. Toujours que une province. Donc là, c'est pas compliqué, je suis exactement en paix jusqu'en 1617, donc j'ai encore 10 ans pour me mettre bien. Ça, c'est tributaire de Ava. Le Doab central. Séparatiste d'élite. Indépendance de Delhi. Du coup, on va arrêter les conneries. Est-ce que ça peut bientôt arriver? Comment se passe? Pas encore ça. Hein. On va mettre un petit édit, on va encourager la modernisation ici. Il faudra pas oublier d'enlever. Est-ce qu'il y a combien de temps? Jusqu'à 1610. Du coup, ça progresse un peu plus. Ça progresse un petit peu plus. Je peux faire encore 3000 hommes. On va continuer. Putain, on gagne pas grand-chose, mais on va continuer quand même à faire du canon pour des sièges beaucoup plus efficaces. Ça y est, c'est bon. Voilà. Celui-là, ça va être fait. Merde, non, il y a celui-là. Je perds de l'argent. Du coup, nos ennemis. Je perds beaucoup d'argent. Alors attendez, on va peut-être. Pas des châteaux là que je pourrais. Non, ils sont peut-être un peu tous. Ils protègent un peu cette zone là. Perdre 2,14. Allez, ça monte tout doucement.
Ah, j'ai perdu un général. Ça m'embarrasse un petit peu. Pour moi, le général, c'est hyper important. On va se mettre là. Hop. Vingt-huit, vingt-huit, vingt-huit. Alors là, c'est simple, on ne fait rien tant que ces trucs-là n'ont pas explosé. J'aurais pas le choix. Là. Ah oui, il faudrait que je fasse un petit réseau d'espionnage sur ce truc-là. Tiens, vas-y, ça. Bon, laisse tomber, j'ai absolument rien du tout. Je continue de perdre. Hein. Alors, c'est où ça? C'est ici. On a perdu, on aura perdu 6 000 hommes. Pile dessus, c'est bon. Voilà, on aura quasiment rien perdu. On a perdu tout et pour tout 2 000 hommes. Du coup, les prochains, c'est Baglana. C'est où ça, Baglana? Bagla. Baglana. C'est ici. Bon, donc les deux vont se mettre là en fait. Hein. Ouais, du coup, j'ai un petit peu, j'ai pas trop le choix là en termes d'argent. Si je gagne un peu d'argent. Delhi 1117, allez, dans 7 ans on va pouvoir attaquer. Voilà, et les prochains c'est ici. On fait laquelle là? Parce que c'est quoi qu'on fait? C'est le commerce mondial? C'est le Pégou là qui... Par là qui est le commerce mondial? Toujours pas. Bah, écoutez, on attend. En attendant, on s'entraîne. Ça c'est fait. On va faire un petit tir d'espionnage sur ce petit machin-là. Ah, je peux faire donc, c'est ici qu'il me fallait donc.
17-7-6. Tac. Est-ce que je pense que je peux refaire ça? Remettre à jour notre flotte aussi. Prochain 817, jaune pour bientôt. Ça monte tout doucement, parce que donc on a. Ça va manquer de 5-6 à chaque fois. Expansion agressive, ça fait mal. Hein. Mais ils sont pas prêts. Je suis pas prêt de m'arrêter pour l'expansion agressive de toute façon. Ma réputation est à monter dans le positif. Du coup, me voilà sick. Ah, j'ai besoin d'argent, je pense. Donc, on va peut-être. Je dirais que celui-là, je peux le péter, je pense. Bon, il y est, on le laisse. Allez hop. On va voir de combien ça va me la diminuer. Délit 51 000 hommes, c'est-à-dire qu'ils ont plus d'hommes que tout à l'heure. Ah, le Boukhara, c'est eux qui ont Samarcande désormais. Est-ce que c'est une grande puissance le Boukhara? Non. Une petite revendication sur le Gujarat. Toujours allié à eux. Hein. Ah, ils sont alliés au Mewar. Alors ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. L'Ayatouya. Comme tributaire, le Pégou. Du coup, qu'est-ce qu'on a ici là? Ok. En Etawa. Etawa. Alors déjà, on va faire ça. Ça c'est bien. Ça, Etawa, c'est où ce truc-là? Etawa. C'est juste à côté. Donc on va attendre un petit peu qu'on ait un petit peu retrouvé un peu de notre morale. De toute façon, normalement c'est le premier qui se passe. En termes de troupeau, on est bien. Et si ça y est, on pourrait envoyer notre flotte de commerce de nos 5 navires. Qui est énorme à Malacca. Est-ce qu'on est bon? Voilà, à dégager. À Baglana. C'est toujours ici, hein. Ça n'a pas changé. Là,
On va économiser jusqu'à la... Toujours un là, putain, ça avance pas là. Heureusement que ça fonctionne bien. Nous pas par exemple quel type de l'un et n'a pas de défenseur de la foi. D'accord, ok, mais pas de problème. Le jaune pour 1517, août 1617, donc nous attaquerons vraisemblablement. Ouh, la Russie, ils sont en guerre contre la Russie. Ah là là, ça c'est bon ça. Par contre, ils sont en guerre aussi contre l'Ottoman. Alors ça c'est moins bon. Ça se passe comment un petit peu ailleurs? La France, elle a pas franchement grossi, hein. Après, elle a quand même mis beaucoup de développement. La Savoie, l'Ottoman, la Bohême, très grosse Bohême. Très très grosse Bohême. Bon, la Pologne, bonjour la Pologne. Allez, d'ici 8-9 ans, à Semerpour, c'est où ce truc? Semerpour. C'est là-bas. Toi, le pompier de service, tu vas là. On va mettre un peu d'influence sur l'éclair. Ils n'ont pas tout leur moral, mais en même temps, derrière, il n'y avait que 8000 hommes. Allez, on repart là-bas. Ça, c'est bien. 93%. Comment ça se passe, toi? On est passé à 146. Du coup là on peut arrêter, on est d'accord que si je leur déclare la guerre, je me déclenche les foudres de ces deux alliés. Le Méwar viendrait. Trente-cinq, ça veut dire comme... Ah, c'est où ça? Baglana. On va lui mettre un petit commandant. Histoire de pas être ridicule. Voilà. Et rien ne t'empêche de t'entraîner. C'est quand la paix là? En 1618. Tiens, mets-toi là-bas. Allez, ça y est là. Hein. Donc on a dit que c'était quand en 1617. Donc ce sera dans le prochain épisode, on accélère un petit peu la manœuvre. On s'en fout. On arrive qu'on a bientôt converti notre territoire. Voilà. Hop. Alors on en est où là? Allez, c'est bon.
un territoire de plus qui met 4 de 10, 10 de dev, donc c'est pas non plus foufou. Voilà avec 2. Du coup, on devrait peut-être. Eux, c'est sûr. Alors, un marchand. On pourrait tirer du truc vers ici. Là. Ouais, ce serait peut-être pas mal. Transfert 509. Est-ce que ça change quelque chose? Un petit peu. Et du coup, ça fait un peu plus de 20 minutes. On va donc s'arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Je vous dis donc à bientôt pour la suite de la partie. Salut à tous!